Bonjour. Salut. Aujourd'hui, au programme direction Epcot pour la matinée, je pense. Ouais. Là, on se dirige, pardon, au niveau du food court. Loïc, il est en train de commander un petit déj sur mobile order. Comme ça, on va se poser un petit peu, prendre le petit déjeuner tranquille là-bas. Et puis, ouais, direction Epcot. Et on n'a pas de programme prédéfini aujourd'hui, donc on se laisse porter par le vent. Par le vent. Moi, il me faut du lait pour le café après. Fais le stock. Il y a le stock de sucre et de lait parce que il n'y en a plus dans la chambre. En fait, hier, ils ont fait la chambre, mais ils n'ont pas remis de... ni de PQ, ni de lait, ni de. Pas vider les poubelles. Enfin, du coup, on fait le stock. Notre table fétiche. Ça va être bien là. Ah, bon appétit hein. Ouais. Petite patate du matin. Des petites pommes frites. Des petits œufs. Ça passe bien? Ouais. Une bof. Mickey Waffle. T'as rien mis dessus toi? Non. Ça se mange pas, nature, tu sais? Bon, moi j'ai mis du sirop d'érable. C'est bon? On est dans l'ambiance. Allez, goûtons ça. Déjà? C'est bon ça. Yes. Ça fait du bien? Bah ouais. On déjeune ce matin. Ouais. Ouais, hier on a déjeuné aussi, non? Ouais, on a déjeuné un petit peu hier, ouais, c'est vrai. Bon, allez, on déjeune. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Passage obligé. Ici, pour remplir les cups. Un peu de glaçon. Suspense. Un peu de glaçon. Que va-t-elle prendre? Je sais pas, j'avais envie d'un jus de fruits, mais forcément il n'y a que les sodas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? À quoi ça se passe? C'est de l'eau? Non, je ne veux pas ça. Ça du temps parce que je vais nous prendre ma chenille. Allez, je vais prendre la cola. Strawberry. Strawberry. C'est le C, il a son coffre ouvert. Je sais pas, c'est le C, ouais. Your coffer is open. Coffer, it's a coffre. Ouais, donc là du coup on sort de du petit déj. On va direction le Skyliner, ouais. Pour Epcot. En vrai ça va le petit déj, 12,28€. Ouais, ça va, ouais. Parce qu'on a quand même une petite assiette avec les œufs, tout ça là. Ouais, ouais, franchement c'est complet, tu vois. La coupelle de fruits et du coup avec le mug on a le café, thé, soda, tout ça. Oui, après c'est parce compris. Que tu prends ton mug. Si t'as pas de mug. Ouais. Tu payes encore 4 ou 5 dollars ton café. Oui, là ça fait un peu. Ça te coûte 35 dollars avec tes taxes pour deux petits déj. Ouais, ça te fait une trentaine d'euros. Bon, ça commence à claquer quoi. Ah, ça va, ça fait 12 dollars. Bah oui, avec le petit mug. T'as le mug, franchement, c'est trop rentable quoi. C'est rentable.
matin, pour le, enfin, ce soit pour le petit-déj ou pour la journée. Bon, après, j'avoue, on n'a pas bu énormément d'eau. C'est marrant parce que, enfin, moi perso, j'aime bien, c'est con à dire, mais la malbouffe, tu vois. Ouais. Et là, je commence vraiment à faire une overdose. Vraiment. Tu vois, même les boissons, pour en revenir à ça. Enfin, oui, j'adore le Powerade, tu vois, je m'étais dit, je vais prendre tous les goûts et tout. Et au final, maintenant, je prends du truc à base d'eau avec le moins de sucre possible. Parce moi aussi, je prends un peu de sans sucre. Parce qu'en vrai, c'est puis méga sucré. En fait, t'as ça, donc tu l'as dans les mains, t'as tendance à boire. Ouais. C'est vrai. Ouais, puis il y a un truc aussi ici, la bouffe, elle est tout le temps ultra salée, quoi. Je trouve, perso, moi, je sale quasiment jamais mes plats. C'est vrai. Et là, ici... Ça rend tout appétant, le sel. Hein. Ouais, j'avoue, mais... Après, du coup, t'as soif. C'est ça. Du coup, vu que t'as soif, tu bois. Bon, enfin bon. Bref, c'était bon quand même. C'était bon. Déj. Allez, on va à Epcot. On part en direction d'Epcot, du coup. C'est parti. Voilà, ça va, le parc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de monde. Ouais, on voit que ça s'est vidé par rapport à hier et avant-hier. C'est cool. Tout ce qu'on n'a pas pu faire il y a deux jours, on va pouvoir le faire un peu aujourd'hui. Je pense, ouais. Allez, direction Ratatouille. C'est parti. Exactement la même, après c'est toujours sympa de la faire quand même. Ouais, moi j'adore, forcément, c'était quasi obligatoire de la faire. Voilà, donc comme ça c'est fait, on reviendra pas dessus. On va aller faire les boutiques maintenant. Allez. Est-ce que tu es contente? Oui, il est mignon, hein. Il est super beau. Je l'ai pas celui-là du coup. Tu l'as payé combien? J'ai payé, j'avoue que je l'ai pris, 12,77$ avec les taxes. Ça va. C'est le prix d'un pizza. C'est le prix d'un pizza. On a déjeuné il y a une heure, mais Lucie elle a déjà faim. Oui, j'ai pas faim, mais ça sent bon le beurre d'escargot. J'aime pas les escargots, mais ça sent bon le persil, l'ail et tout, quoi. Ouais. Ouais, je t'avouerai, là, je peux rien manger. Là. Ouais. Ça donne envie, hein. Bon, du coup, on va quitter le tour des pays. On est venu juste au pavillon français pour faire Ratatouille, faire un peu de boutique, parler un peu français, tout ça. C'est cool aussi, tu vois. Bah ouais, les castes, même les français, ouais, ils sont des français en même temps. C'est marrant parce qu'ils sont un peu surpris des fois. Ouais, dans Ratatouille, ils t'ont dit bonjour. La meuf, elle allait nous perdue, placer quoi. Et elle a fait vous m'avez surpris, elle a dit. Ouais. Du coup là, on quitte le pavillon français et puis on va aller plus vers la grosse boule. Je sais pas comment ça s'appelle. Spaceship Earth. Voilà. Et comme ça, on va faire quelques attractions parce que. On a besoin de se réveiller, donc on espère pouvoir faire l'attraction Chevrolet, juste pareil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, donc on se dirige vers là-bas, et comme ça, on va faire un peu d'attraction. Allez. Du coup, on est devant Test Track, ça y est, j'ai le nom. Test
track. En même temps, c'est facile, on est en Presented devant. Presented by Chevrolet. Voilà. Et il y a un peu d'attente, mais moi je suis pour qu'on fasse l'attente. Il y a 90 minutes, mais bon. On ne peut pas la faire en single rider, c'est un peu des vides. Bah c'est oui. Traction de la faire en single. Donc bah, on y va. On sort tout juste de test track. Test track. J'avais déjà oublié. C'était sympa, hein? Ouais, c'était cool, ouais. On n'a pas été très bon dans la conception du véhicule, mais. Bon, je sais pas, en fait. Si, je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, le truc, c'est qu'il donne un système de points, mais bon, par rapport à la meilleure voiture, non, on était genre, on a fait 200 points et la meilleure voiture, c'était 230. Mais le problème, c'est que. Bah on sait pas en fait si on était bien au final les autres voitures je sais pas faut pas. Alors on sait pas du mais coup il y avait pas de sinon, ouais. C'était... ouais c'était marrant après bon on a attendu un peu longtemps quoi mais bon oui, on le savait temps d'attente était très long, donc voilà mais c'était chouette du coup là on va se rafraîchir on encore va aller boire un petit coup ouais, parce qu'il fait... on va aller boire un petit coup voilà. Direction du coup les boutiques. Loïc, on va aller voir un petit peu les pins. On va aller à la boutique Gardien de la Galaxie. Gardien de la Galaxie, là juste à côté. Et voir si on trouve des choses sympas. Ouais, après comme ça on repart pour faire le tour. Ah ouais, on va faire le tour du parc au niveau du festival Food and Wine. Si jamais on a un petit creux, peut-être qu'on mangera un bout. On va voir parce que pour l'instant on a pas faim du tout. Ouais. Comme ça, bah, on rentre et puis on fait une petite piscine. Yeah, and now. Rituel piscine et puis voilà quoi. Voilà. Allez. Nickel. Là c'est marrant, je suis posé en fait pour j'attends Lucie qui est au stand indien, qui est en train de prendre deux sides pour manger et elle me fait des signes de loin mais je comprends pas trop ce qu'elle veut. Donc elle fait des genre des grands signes et tout mais bon, on verra ce qu'elle veut, je sais pas trop. Alors j'ai pas pu vous la faire voir mais en gros elle faisait des trucs comme ça en fait. Là, elle arrive. Je vous demande
demanderai ce que ça veut dire parce que franchement je comprenais pas. Qu'est-ce que tu me demandais? De le dire parce que j'avais une boisson aussi. Ah d'accord, ok. Faut que j'aille chercher les couverts du coup. Et donc du coup comment tu fais pour viens avec les plats? Voilà. Je te faisais. Ouais, une voilà. Boisson. Ouais. Ah, et toi coup... tu me faisais. Ouais, je comprenais pas ce que tu me disais en fait. Et je te faisais viens. Non, non, tu faisais pas bien, tu faisais avec ta tête comme ça. Bah, c'est... on comprend, non? Bon, ok. Qu'est-ce que je vais chercher les couverts, peut-être. Allez, on va chercher les couverts. Bon, on va bientôt manger. J'ai des copains qui sont arrivés, là. Donc, il y a... Ouais, on va l'appeler Donald. Mais ouais, elle, on va l'appeler Daisy, du coup. C'est éclate. Allez, tiens. Présente-nous ce que tu nous as pris. Je sais plus. Ça c'est du poulet tikka masala avec des pains type pain naan, ouais, c'est okay. Ça avec un petit peu de riz. Ok. Et ça c'est du des nuggets. Cheese crispy avec une pris, sauce mangue ketchup. Ah oui, cool. Curry aussi. Ouais. Moi j'ai bien choisi, je pense. Et ça c'est quoi? Et ça c'est un lassi à la mangue. Ok. On va goûter ça alors. Alors. La petite boisson. C'est quoi? C'est frozen un peu, non? C'est bon ça. Ouais. C'est quoi? Un peu glacé, non? Non, c'est un peu légèrement épicé. T'aimes pas? Non, parce que faut aimer la mangue. Moi, j'adore la mangue. C'est un peu poivré. C'est laiteux, en fait. C'est pas... Ah bah oui. C'est le but. Tu goûtais quoi? C'est ça. Vas-y. Ouais, c'est très bon. C'est très bon. Par contre, c'est ultra épicé. Ah bah ouais. Ultra épicé. C'est vrai, moi j'adore le curry épicé. Ouais, mais là j'aime bien le curry, mais là. Ah, pas vache. Hein, je sais pas si c'est. Non, je pense qu'il y a plus que le curry. Oui, oui, il y a plein d'épices de toute façon. Goûte. Tu vois, c'est épicé de fou. Moi perso ça m'arrache. Ça m'arrache ou? Ouais. C'est très bon en tout cas. Tu fais la maline et quand je vais couper, tu vas commencer à cracher du feu. Non mais avoue que c'est super épicé ça quoi. En fin de bouche quoi. Moi j'ai pris qu'une bouchée et... Bon. C'est bon. On goûte le dernier? Ouais. Allez vas-y, je te laisse commencer. C'est du fromage croustillant, ça? Ouais, avec une sauce un peu mangue, je crois. C'est des modiastiques un peu? Ouais. Et c'est de la sauce ketchup curry? Ah oui! Il n'y a pas de mangue, je crois. Si, normalement, il y avait curry mangue quand j'ai pris, ouais. C'est ça qui m'a fait un peu hésiter, parce que je suis pas trop sucré-salé, mais. C'est légèrement sucré, ouais. Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Sur ce, on va attaquer tout ça. Bon, là. On a tout tartiné. Tout mangé. Ouais. C'était bon. Du coup, au jeu du bon choix et du mauvais choix, on est sur quoi là? C'est un assez bon choix. Bon choix? Ouais, hein. Okay. Ouais, c'est bon. Vous pouvez aimer la cuisine épicée après? Ouais. La cuisine indienne après? Mais non, non, indien. Avec le curry et tout, ça marche toujours. Hein. Faut aimer. Moi j'adore donc. Moi aussi t'aimes. On t'en met dans tout toi? On mange indien tous les jours avec toi? J'avoue, je mets du curry dans tous mes plats moi. Des pizzas au curry, des burgers au curry. Oui. On peut, hein. Du poulet au curry avec du curry. On a même du gel douche au curry. L'horreur. Tu pues le graillon un peu là, tu sais, les épices. Ah. L'oignon épicé quoi. Fragrance curry. Le chien. Il a mis ses petits chaussons. Ouais.
Ouais, le sol il est tellement chaud. Ouais. Bon, ouais, c'est bien, on va continuer parce que c'est que le troisième stand. Hein. Est-ce qu'on va trouver autre chose? Telle est la question. On a un petit déjeuner tard aussi. Allez. Même là. Bah, elle est où la bière? Non, pas bien. Oh. Non, après, on est mort. T'as pris quoi du coup? Bah, j'ai pris le truc au peuple. Hein. Ah oui, un petit genre de carbonade. On s'installe là. Parce que... Ouais. Une chaleur à. Tu veux t'installer où? Bah, il y a des petites tables. Et bah, on va s'installer aux petites tables. Et gaffe, la table est toute dégueulasse à côté. C'est sucré ou pas? Non, je veux pas goûter moi. Non, c'est bon. Mais ouais, c'est ça, c'est la carbonate flamande. Ouais, c'est ça. Là, de la purée à 5h de l'après-midi, c'est pas ce qui me tente le plus. Il est 4h. 16h52, excusez-moi. Purée bœuf à 5h. Après, on n'a pas mangé. Oui, on a snacké, c'est vrai, on a goûté plein de petits trucs du coup. Ça passe bien? On s'est bien rempli le ventre. On s'est bien rempli le ventre et maintenant on rentre à l'hôtel. Et basta. Et basta. Et après on verra ce qu'on fait. Oui, on va. Voilà. On n'est pas encore décidé. Bon, c'est la fin de journée. C'est bien reposé là, tout à l'heure. Et on savait pas ce qu'on allait faire. Au final, on a décidé de partir au Hollywood Studio. Ouais. On va aller voir Fantasmic ce soir. Ouais, François, oui, ça fera le premier spectacle parce qu'on n'en a pas encore vu un seul. Et, en fait, le truc, c'est qu'on a. Puis en plus, on a mis des réservations genre tous les soirs. Mais, on a pas mal de réservations le soir. À Disney Springs. Enfin, pas mal. On en a réservé quelques-unes du coup. Et ça, c'est vrai que ça, du coup, ça nous bloque pour aller voir les shows du soir. Bah oui. Donc là, du coup, on profite parce qu'on n'a rien à faire ce soir. Donc, comme autant on a qu'on aille voir un spectacle ce soir. En plus, il y en a deux, je crois, là, non? Il n'y en a pas un 20h30 et un 21h30. Oui, oui, si, je crois qu'il y a Fantasmic et une demi-heure après, il y a je sais plus quoi. Bon, enfin bon. Déjà, s'il y en a un, déjà. Oui. Parce que, vu la chance parce qu'on a. Parce que, vu la chance qu'on a, sur l'appli de Loïc, c'est écrit qu'il n'y a pas de show. Et sur la mienne, c'est écrit qu'il y a des shows. Donc, un peu bizarre. On verra bien. Bon, après, voilà, on fera autre chose, c'est pas grave. Mais. Ouais, on va aller voir ça. Allez. Gentlemen and islanders of all ages, welcome aboard the Disney Skyliner at Disney's Caribbean Beach Resort. We're flying to Disney's Hollywood Studio. Hollywood Studio. Hollywood Tower. Welcome to Disneyland Paris! Life and career. Welcome to Disneyland Hotel. Heureusement je coupe le son parce que dis il est connerie tous les deux secondes ici là. Thank you.
cette vue. Skyliner by night. Trop bien, hein. Ouais. On a vu un petit. Enfin, on a vu le feu d'artifice. On ne voit pas trop. On ne voit pas du côté de Epcot. C'est là, peut-être mieux d'ailleurs. Enfoiré. On voit. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, on vous redira tout à l'heure. De toute façon, là, on va au Riviera, qui est juste ici. On va aller se boire un petit coup et puis manger un peu. N'est-ce pas? Allez, on arrive. Voilà. Donc là, on est posé, fin de journée. On est au Riviera. Ouais. Je vais voir vite fait comme ça. Il fait encore bon dehors et pas trop chaud, du coup. Franchement, l'hôtel il est magnifique. L'hôtel il est super beau, le Riviera, ouais. Ouais. Et du coup, on s'est dit, on va se poser tranquille, on va manger un petit bout. C'est bien. Après, c'est relou parce qu'ils font pareil que du snack aussi. Bah c'est parce que là c'est le snack. Oui. On mange pas au restaurant. Oui, c'est vrai. C'est nous qui avons décidé de prendre du snack comme ça à dehors. C'est vrai. Ouais, mais même en snack, tu vois, ils proposent pas des trucs. C'est du snack. Ouais, c'est vrai. Bon, je retire. Fallait aller au bar si tu voulais un peu plus élaboré ou au restaurant. Je retire ce que j'ai dit. Bah oui, mais on voulait manger du snack dehors tranquille. Donc ouais. C'est donc parfait. Voilà. Donc là, on a pris. On voit pas. Ouais. Du coup, il y a des frites. Forcément. Comme d'hab. Avec toi, t'as pris un truc au focaccia poulet. C'est focaccia avec du poulet et de la mozzarella et un peu de salade, quoi. Moi, j'ai pris un sandwich italien. Je sais plus, pain. Salami, pastrami, salami. Mozzarella aussi, oui. Je crois. Enfin, t'as du fromage. Puis des frites aussi, parce qu'ils mettent tout le temps des frites. Voilà. Donc, c'est cool. On a passé une bonne journée encore. Ouais, une bonne journée aujourd'hui. Demain, on va être un peu plus off, je pense. Parce que là, on commence à sentir bien. Même si on dit qu'on est fatigué tout le temps, mais là, on commence vraiment à sentir la fatigue, quoi. Oui, les courbatures et tout ça aussi, parce qu'on marche quand même minimum 15-20 bandes par jour. Donc, du coup, demain, on va être un peu plus vraiment tranquille. On fera pas. Peut-être en fin de journée un parc, mais sinon je pense qu'on va même pas forcément aller sur le parc. On va faire un peu de shopping, je pense. Un peu de shopping, tranquille, ouais, se reposer. Donc voilà, donc là on va finir la soirée tranquillement. Retour sur Fantasmic du coup. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, du coup on était voir le spectacle Fantasmic à Hollywood. Ouais. Ça avait du mal à démarrer, j'ai eu un peu peur, moi, ouais, perso. Moi aussi. Je me suis dit ça va être long, quoi. Ça va être que des projections sur des jets d'eau. Ouais. Pas d'ambiance, quoi. Puis au final. Ça s'est un peu lancé quand même. Ouais. Donc c'était bien. C'était bien. Bon, oh, après, c'était bien. Cool. Ouais. Il y avait l'ambiance, les gens mettaient aussi l'ambiance dans l'amphithéâtre. Donc c'est ça qui était cool, quoi. Ouais, c'est top. Donc voilà. Donc on va là, on va manger tranquillement et puis on se dit à demain. On se dit à demain. Allez, bonne soirée. Moi je mange, hein, tu sais. Ouais.